À la base, c'est une bande de copains du comité des fêtes qui ont décidé de faire une course de voiture dans la commune. Et voilà, ça fait 40 ans que ça dure. Ça a commencé avec des 4 chevaux, des voitures de l'époque, bien sûr. Et maintenant, il y a de la mécanique, des buggies, et puis les voitures sont toutes beaucoup plus puissantes. C'était pour faire une animation, c'était pas de la passion au départ, c'est devenu une passion. Énormément de souvenirs, certaines déceptions aussi, mais celles, on les oublie carrément. Et puis, ma foi, avoir contribué aussi peut-être à ce qu'aujourd'hui, il y ait des véhicules comme ceux que vous venez de voir qui soient un petit peu plus performants, qu'on ait fait évoluer la chose et que ce soit bien pour le sport automobile, pour les gens qui ne sont pas des professionnels. En 1968, il n'y avait pas tellement d'autocross en France. Je dis bien en France. Et partant de là, on s'est lancé dans une galère monstrueuse. Mais enfin, on a fait face. Nous y sommes arrivés. La preuve, aujourd'hui, on a un très beau plateau, quel qu'il soit, train car, autocross. Je pense que de ce côté-là, sur nos véhicules, on n'a plus grand-chose à nous reprocher.